L'anniversaire d'Alain Delon est l'occasion de partager de doux souvenirs pour ses proches. Sieste ainsi que son ex-compagne Rosalie Van Bremen, mannequin néerlandais avec qui il a eu 2 enfants, s'est exprimé en toute tendresse et sincérité sur leur relation. Le temps passe mais les liens indéfectibles restent. Entre Alain Delon et Rosalie Van Bremen, ce sont leurs enfants Anouchka, né en 1990, et Alain Fabien, 1994, qui représentent leur histoire, mais pas seulement. À l'occasion de l'anniversaire de l'icône de cinéma qui fête ses 88 ans ce 8 novembre, son ex-compagne a posté un message lourd de sens sur ce que symbolise leur couple. Ainsi, on peut découvrir sur le compte Instagram de Rosalie Van Bremen une photo d'archive, accompagnée de la musique puissante de Vangelis et d'une longue légende, « On sait ce qu'est le véritable amour, ce qu'il sent, son goût, une fois qu'on l'a vécu. Tout ce qu'il y a d'autre semble être du temps perdu. Je n'ai jamais été avec quelqu'un juste pour être avec, ou pour ne pas être seul », commence par écrire celle qui a rencontré Alain Delon sur le tournage du vidéoclip de sa chanson Comme au cinéma et a été en couple avec lui durant 14 années, jusqu'en 2001. Rosalie Van Bremen poursuit ensuite dans son élan romantique, « J'ai toujours été une solitaire. Rien de plus précieux que 2 âmes qui se trouvent après des années. 2 solitaires qui veulent partager leur précieux temps ensemble. » La sublime ancienne mannequin de 57 ans ne veut pas édulcorer son idylle, « Je ne veux pas vivre dans le passé et je n'idéalise pas notre amour. » Ce n'était pas un chemin facile et je ne suis sorti plutôt abîmé, mes proches le savent. Mais c'était le grand amour, aucun doute et je ne regrette rien de l'amour que nous avons partagé. Un message qu'elle termine avec un joyeux anniversaire mon amour en anglais, qu'elle avait déjà prononcé l'an dernier exactement. Éloignée des podiums même si elle affiche toujours une silhouette parfaite, l'ex-femme d'Alain Afflelou se consacre à différentes missions de journaliste, autrice, créatrice de contenu et animatrice. On a pu l'apercevoir en tenue d'Ève, ou presque, sur une plage de l'océan Pacifique, à Tuvalu, il y a 3 jours, mais elle adore aussi Sicile, île allemande située en mer du Nord, connue pour être une destination très prisée de la haute bourgeoisie germanique et de la région. En écrivant pour le père de ses enfants, elle a dû réchauffer le cœur d'Alain Delon, marqué par l'affaire Jérôme Rollin. L'homme qui aime tant les femmes, Romy Schneider, Mireille Darc, Nathalie Delon pour ne citer qu'elle, affronte le temps qui passe avec le plus de sérénité possible. I just need